Bonjour, donc je vais vous montrer un autre jeu de cartes. Donc pour ça, j'ai un jeu un peu truqué. Toutes les cartes de ce jeu, tous les dos des cartes sont différents. Donc, on peut voir, tous différents. Donc je vais prendre deux cartes que je vais placer face en l'air. Un roi de pique, une dame de trèfle. Maintenant, je vais vous demander de me donner un nombre entre, on va dire 10 et 20. On va dire 13. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On va placer la dame. Maintenant, on va refaire la même chose. Vous allez me donner un nombre entre 10 et 20. Mettons, je sais pas, n'importe, 19. 1, 2, les cartes sont toutes différentes, alors vous les voyez bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et on place le roi. Pour retrouver les deux cartes, c'est facile, c'est les deux seules qui sont retournées dans le jeu. Hop. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la carte qui leur fait face. Donc là, je prends deux cartes. Et pour le roi, on va faire pareil. Hop, on va prendre deux cartes. Le reste du jeu, on n'en a plus besoin. Ce qui serait magique, c'est que les cartes qui font face à chacune des deux cartes retournées, parmi toutes les cartes avec les deux différents, chacune a choisi la carte avec le même dos que celle qu'elle a, elle. Donc je vous montre. Deux dos pareils. Et de deux pareils. Donc, ce qui est encore plus magique, c'est que lui a trouvé le roi de pique, a trouvé le roi de trèfle de la dame, et la dame a trouvé la reine de pique de lui. Bon, je vais vous dire que mon jeu il est un peu truqué. Il est composé que d'une seule carte. Mais, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est ni un roi noir, ni une dame noire, mais que deux 8 de cœur. Voilà.